Nous sommes à Job, une commune de l'est du Puy-de-Dôme. Ici, l'altitude varie entre 550 et 1600 mètres. Nous sommes au cœur du parc naturel du Livradois Forest. Aujourd'hui, on vous propose de visiter l'élevage de Benjamin Tari, éleveur de Salers, une race qui s'adapte parfaitement en zone Natura 2000. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ton exploitation. Merci à vous. Est-ce que tu peux nous la présenter ? On exploite 280 hectares, il y a 140 hectares d'estives, puis il y a une dizaine d'hectares de céréales et après c'est tout en herbe. Au niveau du matériel, comment es-tu équipé ? Eh ben, matériel de fenaison, comme en ce moment, j'ai tout à moi. Après, je travaille beaucoup en cuma, en intercuma, pour les matériels de récolte, en sileuse, moissonneuse, matériel de semis. On est beaucoup en cuma parce qu'on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs qui sont autour, quoi, on va dire. Là, je vois la presse et le tracteur, donc tu as en propriété tout le matériel lié à la récolte de l'herbe, voilà, c'est ça. Presse, faneuse. C'est ça, oui. Matériel de fenaison, oui, j'ai tout à moi, quoi. Donc ici, au niveau bâtiment, tu as un bâtiment de stockage, une stabulation, J'ai deux stabulations en air paillé, libre. Et après, ici, on est sur bâtiment stockage traditionnel, ouvert sur un côté pour mettre le foin et la paille. Et après, j'ai un bâtiment tunnel, atelier pour mettre du matériel. Et après, sur l'autre site, à 12 km, j'ai les bâtiments. Et c'est sur Caïboti et les génisses. Je laisse les génisses de 2 ans là-bas. Combien d'animaux ? Il y a 110 mères à vélé, plus une soixantaine de génisses, conduits tout en pur et en système reproducteur. Comment tu les valorises ? Producteur, les femelles, je garde un pourcentage pour moi. Et après, le reste, je les vends soit pour l'export ou alors pour d'autres éleveurs qui veulent des génisses pour renouveler leur troupeau. Et après, les mâles, j'essaye d'en garder 10-12. J'en mets toujours un ou deux à la station, suivant les années, suivant les veaux que j'ai. Et après, le reste, il y en a qui partent pour faire des reproducteurs chez des voisins ou pour l'export. Et après, le reste, ça part pour l'engraissement, pour les pays étrangers, quoi, l'Italie, l'Espagne, voilà. À Job, on passe de 550 mètres d'altitude à 1600 mètres en moins de 4 km. C'est un fort dénivelé. En quoi la Salers est une race rustique qui s'adapte à ce contexte ? La Salers, c'est une vache de montagne, une vache rustique, une vache des monts d'Auvergne, quoi, comme on l'entend, comme on le sait. Et elle s'adapte très bien à notre relief, parce qu'ici, nous, la ferme, elle est carrément au pied de la montagne, et même dans le flanc de la montagne. Et après, elle monte là-haut, à la montagne, à 1600 mètres d'altitude, 3 mois de l'année. Et il faut qu'elle soit rustique, quoi, comme on dit chez nous. Donc l'été, c'est en estive, et l'hiver, c'est une ration basée sur l'herbe, en rubanage, foin. Soit c'est en rubanage ou en silage, suivant des années, le climat, le temps, et foin en ration, et plus les céréales autoconsommées qui sont sur l'exploitation, quoi. Le but, c'est un maximum d'autonomie sur l'exploitation. Voilà, c'est ça, c'est d'être à 100% autonome. Ton associé va bientôt partir en retraite. Comment vas-tu adapter ton système ? Mon système, je vais diminuer les vaches. Là, on avait 110 mères tout de suite et je vais descendre à 80-90 mères. Et après, je vais essayer de semer un peu plus de céréales sur les terres que j'ai qui sont labourables. Ton troupeau est inscrit au Herbbook. Quels sont tes choix génétiques ? Quelles sont tes orientations ? Nous, c'est plus typé élevage. Premier critère ici, nous, c'est le caractère. Et après, c'est le lait et la morphologie, le bassin, tout ça, quoi. C'est orienté plus sur le lait pour que la vache nourrisse son veau tout seul, sans complément, quoi. Donc tu arrives à grouper tes vélages quand même ? Oui, j'essaye de les grouper. Bon, après, il y a toujours des exceptions qui se décalent, qui s'avancent. Ça, après, c'est on travaille avec du vivant, donc on n'est pas dedans, quoi, comme je dis. Moi, ce qui serait bien, c'est qu'au 10 novembre, 1er septembre, 10 novembre, ça soit tout né, quoi. Toutes les naissances soient faites, quoi. Et au niveau de la reproduction, c'est un système basé sur l'IA, de la monte naturelle ? Moi, c'est, on va dire, 95% en monte naturelle. Et après, les autres 5% d'insémination, soit j'achète des doses sur le marché, quoi. Et sinon, je prélève des taureaux en ferme, des taureaux qu'on n'a plus, que j'ai des doses dans la cuve. Et c'est moi qui insémine. J'ai passé la formation pour inséminer. Au niveau des doses, il y a des taureaux connus que tu utilises ? Mon associé à l'époque, il avait utilisé Béguin, qui est très connu dans la race, qui a très bien marché. Après, j'ai beaucoup d'origine de la famille Duval à Valette. Et après, moi, en
personnel, taureau de la ferme. J'ai beaucoup utilisé les gants et oursons que j'avais achetés à la station d'évaluation. On peut voir aussi sur la stabulation un grand nombre de plaques. Les concours, c'est quelque chose d'important pour toi? T'aimes bien y aller? Ben, c'est mon associé qui a attaqué en 2008. C'est lui qui m'a donné cette passion et maintenant j'y ai pris plus qu'en passion. J'aime ça et ben, on fait le départemental, le national, le sommet de l'élevage, donc le régional. Et on a fait 4 années Paris, le salon. Et ben, c'est, moi j'aime ça et puis bon après c'est valorisant, ça fait connaître l'élevage. Voilà. C'est pour ça qu'on fait les concours et puis on aime ça, que ce soit l'un ou l'autre, on aime ça, donc moi j'arrêterai pas tout de suite les concours. Quoi. Et ça permet aussi de valoriser ton système. Voilà, c'est ça, voilà, ça fait connaître déjà de noms et puis après ça fait valoriser les bêtes un peu plus. Quoi. Pour conclure cette première partie, qu'est-ce qui t'a plu dans la race salaire? C'est la vache, c'est la race salaire, pour moi c'est une vache qui est élégante, qui est féminine et une jolie vache quoi. Voilà, c'est mon coup de cœur et puis c'est une vache de la région Auvergne, donc voilà. Eh bien, merci beaucoup Benjamin. On va maintenant retrouver Corentin, ingénieur de l'OS Salaire. Il va nous présenter l'histoire de la race. Bonjour Corentin. Et bonjour. Corentin, tu es ingénieur à l'OS Salaire. Est-ce que tu peux nous présenter l'histoire de la race, l'origine de cette race? La race salaire est originaire du Massif central, de l'est de la Corrèze, du Cantal et du Puy-de-Dôme. C'est une race qui a été sélectionnée par Tissandier d'Escoux à partir des années 1850. C'est lui vraiment le créateur de la race qui a sélectionné les meilleurs animaux du canton de Salaire, d'où le nom de la race, pour les reproduire entre eux et ainsi créer la race salaire. Le premier concours de race salaire tel qu'on peut l'entendre maintenant a été fait en 1853 sur la commune de Salaire. Alors la Salaire, c'est aussi une des plus anciennes races de France. On n'est pas forcément la plus ancienne race de France, on était une race du Massif central, pas forcément sélectionnée comme peut l'être la Ferrandaise ou d'autres races. C'est vraiment Tissandier d'Escoux qui a implanté les méthodes de sélection plutôt anglaises de la sélection génétique en France pour la race salaire. Comment les critères de sélection ont-ils évolué? Est-ce qu'ils vont encore évoluer? On avait des animaux qui étaient plutôt dans le système traditionnel. La salaire est une vache assez particulière, on ne peut pas la traire sans son veau. Donc jusqu'aux années 60, la salaire était plutôt utilisée dans ce système-là, donc la traite avec le veau. Et c'est à partir des années 60, du développement de la mécanisation, et du développement agricole que la salaire a été utilisée pour faire le système rota, des vaches qui doivent amener leur veau au sevrage en faisant le plus de poids possible. La salaire répondait très bien à ces critères-là avec son côté maternel qu'on cherche à conserver et surtout sa faculté laitière. On a toujours actuellement le rameau laitier. Le rameau laitier fait à peu près 3% des animaux de la race salaire. Ce rameau est concentré surtout sur le berceau de race avec 965 animaux au contrôle laitier et c'est un pourvoyeur de diversité génétique assez important pour la race. On cherche vraiment à garder ses facultés laitières pour pouvoir amener des veaux lourds au sevrage. Quels sont les critères mis en avant par les index? On a un critère qui est l'allaite, c'est un index. Il est calculé avec les poids 210 jours dans notre race. Un choix qui a été orienté parce qu'on veut des animaux qui puissent amener leur veau au sevrage en ayant des animaux lourds. On ne veut pas de pic de lactation, mais on veut plutôt des animaux qui ont une bonne persistance laitière et qui puissent nourrir leur veau. Donc le choix de sur cet index a été tourné plutôt sur les poids de 210 jours pour le calculer. Après, on a tous les index qui se retrouvent dans toutes les races françaises, que ce soit la croissance, les aptitudes fonctionnelles, le développement squelettique et le développement musculaire. La race salaire est une race de grand format, mais on n'a pas forcément le plus gros développement musculaire face à des charolaises ou des limousins, et c'est pas ce qui est cherché. On veut garder ce grand format en ayant de la viande, mais en gardant un format de race rustique qu'on puisse retrouver aussi bien dans les plaines que dans les montagnes. À quel type de système, à quel type d'éleveur se destine la race salaire? Elle est destinée à tous les systèmes. On peut retrouver des animaux salaires à l'engraissement grâce à leurs bons aplombs, que dans les pâtures de montagne, que ce soit les montagnes du Massif central, les montagnes des Rocheuses,
ou les montagnes en Croatie, on arrive à très bien exporter ces animaux grâce à sa capacité d'adaptation. Pourquoi la salaire est une vache rentable? Est-ce que tu as des critères technico-économiques à nous donner? La salaire est une race rentable parce que elle permet de nourrir son veau jusqu'au sevrage sans complémentation extérieure. C'est ce qui est cherché par l'organisme de sélection. On veut cette capacité laitière, donc d'éviter la complémentation jusqu'au sevrage, ce qui est un critère économique, parce que amener un animal sans complémentation jusqu'au sevrage, c'est des économies à la fin de l'année. On est aussi une race économique parce qu'on arrive à produire de la viande, malgré tout. Un mâle en poids H-type à 210 jours fait 274 kg en race salaire et une femelle 244 kg. La salaire, c'est aussi de la génétique qui s'exporte. Alors vers quel pays? Actuellement, on a une bonne demande sur les secteurs des Balkans, la Croatie, la Serbie, la Bosnie. On a un nouveau marché qui vient de s'ouvrir à partir de cette année sur la Géorgie, où on a pas mal de jeunes femelles qui sont parties, que ce soit des génisses d'un an, des doublons ou des doublons pleines. On a nos marchés historiques qui sont l'Espagne, où quelques reproducteurs partent chaque année. Tous les pays du Royaume-Uni aussi, on vend pas mal de mâles plutôt sur ces pays-là pour continuer à renouveler les génétiques sur ces pays-là. Alors, la Géorgie est d'ailleurs le pays à l'honneur du sommet de l'élevage 2023. Qu'est-ce qui plaît à ces pays? Qu'est-ce qu'ils recherchent eux comme génétique? Qu'est-ce qu'ils ont comme critères? Dans leurs critères de sélection, ils ont cette capacité d'adaptation parce qu'ils vont mettre ces animaux en montagne. On a les premières images de ces animaux arrivés là-bas ont été sur des montagnes, donc il faut cette capacité de marche que on retrouve dans les animaux rustiques, et la salaire en fait partie. On veut aussi de la valorisation de fourrage plus ou moins grossier, plus ou moins difficile. Donc la salaire répond totalement à leurs attentes sur ces critères-là. La salaire est une vache rustique. D'ailleurs, dans les animaux qui sont derrière nous, on peut voir une vache qui a 18 ans. Mais maintenant, on va retrouver Benjamin pour aller découvrir avec lui des animaux qui correspondent, selon lui, le plus aux standards de la race. Benjamin, est-ce que tu peux nous présenter les animaux qui sont derrière nous? Il s'agit d'animaux que tu vas emmener en concours, donc qui correspondent le plus, selon toi, aux critères de la race. Ça, c'est Merveille, qui a fait deux fois championne départementale. Je l'ai amené en 2020 à Paris, elle a fait première de sa catégorie en vache de 4 ans. Je l'avais amené aussi en 2017 dans le groupe de bourrettes à Vichy qui s'était classé premier aussi. Donc voilà, après là il y a sa fille, Safran. Et après derrière il y a le taureau Renoir que j'avais acheté au GEC Vincent Pécher et que je vais amener au concours cette année. Ce sera la deuxième année qui sortira au concours. Je l'amènerai au concours. Pourquoi elles te plaisent, ces vaches? On va prendre Merveille en exemple. C'est une vache qui reflète bien la salaire avec les cornes en forme de lyre, le nez large, le front large, une grosse largeur de poitrine, un bon bassin, des bonnes pattes, une vache qui a du lait, qui a des jolies mamelles. Pour moi, le standard de la race, c'est ça, quoi. Une vache comme ça. Et le taureau que tu as acheté à l'extérieur? Le taureau, c'est que j'ai amené du sang un peu nouveau chez moi, qu'il fallait que je renouvelle le sang pour pas que ça soit trop consanguin. Et ce qui m'a plu chez lui, c'est son port de tête, son arrondi de culotte parce qu'il a de la viande, son bon bassin, les pattes aussi, il a des bons aplombs. Donc voilà, j'essaye de ramener ça sur mon troupeau, quoi. Merveille, c'est une vache quand même qui a beaucoup de gabarit. C'est une vache qui a un gros gabarit, qui est grosse. L'année que j'ai monté à Paris, elle faisait 972 kg. C'est quand même à 4 ans, avoir une vache plus de 900 kg, ça commence déjà à être un gros volume, quoi. C'est la limite en salaire? Non, il y en a qui arrivent à avoir des vaches plus grosses, mais après c'est pas le même critère de sélection, c'est plus typé viande, moi c'est plus typé élevage, quoi. Des grandes vaches, robustes, grosses, quoi, avec un bon devant, un bon bassin, c'est ce que je recherche. Un bon bassin qui permet un vélage facile. Voilà, qui permet un vélage facile. Les vélages, ça se passe tout seul dehors. Ou alors il faut vraiment qu'il y ait un souci, mais en général, je vais dire à 99% de chances que ça se passe tout seul, quoi. Dehors, de septembre à l'automne, quoi.
Merci Benjamin. On va maintenant aller voir les reproducteurs avec Corentin. Corentin, on est devant des reproducteurs qui sont destinés pour certains à aller en station. Alors quels sont les animaux qui répondent le mieux aux standards de la race? Est-ce qu'il y en a un qui t'a tapé dans l'œil? Donc pour rentrer à la station, on a autant des critères de morphologie qui sont pris. Donc on a un technicien du herbo qui fait le tour des élevages pour choisir des animaux sur leur morphologie. Et ensuite on a une partie sur l'indexation des animaux, donc une partie plutôt sur papier, où on aimerait avoir des animaux qui sont catégorisés mère à taureau ou mère élite en priorité. Après on prend aussi des animaux de tersonne ou de vaches de 4 ans qui n'ont pas encore ces index, et là où on va se baser des fois sur l'index alète et plutôt l'IVMAT des animaux, avec un alète supérieur à 100 et après essayer d'avoir un IVMAT supérieur à 100 voire 105 dans le meilleur des cas. Alors quel animal t'a tapé dans l'œil et pourquoi? Cet animal, il m'a tapé dans l'œil pour sa morphologie. Ensuite, on veut des animaux qui portent de la viande quand même, avec la viande autant sur les postes avant, l'épaule, sur le dos et après sur la culotte, l'arrondi. Ou l'arrondi de culotte est quand même un des critères de pointage. On veut aussi des animaux où on regarde plutôt les parents, où il y a un bon bassin, en pensant qu'il y a de grandes chances de l'hériter sur le reproducteur à la sortie de la station. Merci Corentin, c'est le moment de conclure cette vidéo. On retrouve maintenant Benjamin pour faire le bilan. Pour conclure cette visite d'élevage, on retiendra trois points. Le premier, c'est la rusticité, Corentin. Et oui, la salaire est une vache rustique qui s'adapte un peu dans toutes les conditions, que ce soit dans les milieux plutôt arides que des milieux de prairies ou des milieux de plaine. Donc c'est quelque chose, la rusticité est importante. Une vache donc qui peut marcher, qui peut aller dans les estives à 1600 mètres. Le deuxième point à retenir, c'est la facilité de vélage, Benjamin. Oui, facilité de vélage avec un gros bassin qui donne naissance à son veau toute seule, qui se débrouille toute seule. Moi, ça vèle septembre-octobre, dehors, dans les champs, et le matin, j'arrive, les veaux sont dessous, en train de téter, tout va bien. Et ça, c'est un critère important? C'est un critère important pour la facilité de vélage, surtout maintenant que je vais me retrouver tout seul, donc je ne vais pas pouvoir être partout à la fois, donc il faudra qu'elle se débrouille un peu toute seule. Et enfin, pour conclure, le dernier critère, c'est l'allaitement, Corentin. Et oui, la salaire a une attitude laitière qui est recherchée, autant sur sa persistance que sur sa quantité, pour mener des veaux lourds au sevrage. C'est un critère qui ravira les éleveurs en recherche d'autonomie sur leur exploitation. Merci à tous les deux de nous avoir accueillis pour cette visite d'élevage. D'autres visites d'élevage sont disponibles en vidéo sur le site du Sommet de l'élevage, sommet-élevage.fr, et sur la chaîne YouTube du Sommet. Merci. Et à bientôt !